le 13 juillet prochain, oui, aura lieu une conférence, donc la conférence internationale sur la gouvernance sécuritaire en Afrique. Et tu faisais partie, on va dire, des participants, sauf que, justement, tu as été malheureusement déprogrammé. Mais avant, justement, de traiter cet aspect-là, hein, qu'on traitera bien en détail, on va dire, quels sont les sujets qui ont été, qui vont être traités ce 13 juillet prochain, et pourquoi cette conférence a eu lieu en gros? Alors cette conférence a été organisée par l'Institut Mandela, oui, un think tank africain. Le thème c'est l'Afrique et la sécurité du continent. Africain, oui. Voilà, et l'autre thème abordé aussi durant... Oui, donc c'est le thème de la conférence, et les deux sujets abordés, c'est la question libyenne, oui, et Boko Haram. D'accord. Voilà. Donc, j'avais été invité à participer à cette conférence. D'accord, donc tu as été ouvertement, on va dire, interpellé par ces gens-là, et puis tu as eu droit, on va dire, à ta programmation officielle, on dit bien officielle, à cette conférence-là. Oui, j'étais dans le programme. D'accord. Donc, après, il y a eu un collectif Averim qui a, on va dire, mis beaucoup de pression, on va dire, sur l'Institut Mandela, pour être déprogrammé, et ils sont arrivés à cela. Donc, derrière cette initiative, il y a un certain Laurent Pariente, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en tout cas Laurent Pariente, ou Pariente, qui est justement président de ce collectif associatif. Justement, qu'est-ce que ça t'a fait, le fait d'avoir cette nouvelle-là, qu'est-ce que ça t'a fait? Parce que j'imagine que c'est un petit peu par rapport à tes antécédents, c'est-à-dire... ton bouquin qui s'appelle Occident et Islam, et qui est aux éditions Siges, et j'invite réellement les gens à lire ce livre-là. Quelle a été ta réaction par rapport à cette déprogrammation-là? Premièrement, l'Institut Mandela n'a pas subi d'énormes pressions. Il a reçu un coup de fil d'un parfait inconnu, oui, Laurent Pariente, à la tête président du groupe Averim, collectif Averim, oui, un groupuscule que je ne connaissais pas personnellement, je crois que personne ne connaissait. Bah moi non plus, hein, je le connaissais pas, ils sont pas très nombreux. Bref, donc il contacte le président de l'Institut pour lui demander de me déprogrammer au nom de on ne sait quoi, et ensuite il lui envoie par mail sa demande. Alors l'argument principal et que je serais un complotiste. Un complotiste, exactement. Au milieu d'extrême droite. Voilà. Bah justement, en lisant, je ne me rappelle plus de la citation parce que je l'ai pas sous les yeux, mais je la mettrai sur la vidéo. En gros, il disait que, voilà, oui, t'étais un antisémite notoire. Anti-sioniste, enfin, non, complotiste, voilà, exactement. Complotiste. Ouais. Complotiste, et puis, on va dire, un petit peu, intéressé par le Front National, ou frontiste limite, quoi. Enfin, voilà, un proche ou un sympathisant du Front National. Alors que ces gens-là n'ont vraiment rien compris. Enfin, tu as été invité chez Civitas, où il y avait Jean-Marie Le Pen, pour mettre en avant tes idées. Autrement dit, on va dire, la seule tribune qui t'a été réellement donnée, c'est celle donnée par Civitas. Après, on peut être d'accord ou pas d'accord avec Civitas, l'essentiel, c'est de voir que c'était une tribune qui t'a été adressée, quoi. Bon, y a plusieurs choses à dire. Premièrement, on ne voit pas en quoi mes amitiés ou les gens que j'aurais rencontrés à des, oui, colloques, ou les gens qui relaient mes travaux, je ne vois pas en quoi c'est un argument, oui, pour me déprogrammer d'une conférence, oui, d'un colloque. Oui. Je serais complotiste. Visiblement, cette personne, Laurent Pariente, n'a lu ni mes articles ni mon livre. D'ailleurs, on lui pose directement la question: est-ce que vous avez lu le livre de Youssef Indy avant même de... Visiblement non, parce que pour
me faire déprogrammer, il avance comme argument que je serais proche du milieu d'extrême droite, donc il met entre parenthèses Le Pen, Dieudonné, Soral, toutes les cliques qui y a derrière. Donc on peut se poser, enfin, c'est pas parce qu'on serre la main par exemple de Jean-Marie Le Pen qu'on est frontiste, quoi, et c'est pas parce qu'on non, est. Non, mais combien même je serais frontiste, je vois pas en quoi c'est. Oui, voilà, en plus de ça, oui, voilà, je veux dire, c'est un choix politique qui est vraiment personnel, quoi. Non, mais on a vraiment un problème en France en général, c'est-à-dire qu'on a des gens qui ne lisent pas, qui ne connaissent pas le contenu des travaux des uns et des autres. Ouais. Là, en l'occurrence, il ne sait pas du tout ce que j'écris. Ouais. Il dit que je suis anti-sioniste. Alors, je ne sais pas où, en fait, il a vu ça. Je n'ai jamais déclaré que j'étais anti-sioniste. Ouais. Par contre, il est vrai que mes travaux mettent en évidence la genèse, l'histoire, les origines messianiques du sionisme et son évolution depuis le Moyen-Âge et son application jusqu'à l'époque contemporaine. Depuis le XIIIe siècle, d'ailleurs. C'est un travail historique qui est long. Hein. C'est pour ça que je dis encore une fois aux internautes, lisez Occident et Islam et vous verrez, vous ferez votre argument par vous-même. Comme ils l'ont fait, d'ailleurs, comme ils le font avec, par exemple, Alain Soral ou même Hervé Ryssen, c'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas sur le fond, sur les écrits, sur les livres, mais sur des tweets ou des publications Facebook. Ouais, c'est pour faire le buzz et pour dire aux gens, regardez. En se basant là-dessus, par exemple, qu'ils ont fait condamner plusieurs fois Hervé Ryssen. Oui, clairement. Oui. Donc on a affaire à des gens qui nous attaquent, qui attaquent les intellectuels, les chercheurs et autres. Sur la base de nos opinions ou nos supposées opinions. Ouais. Donc c'est passible de diffamation d'ailleurs. Oui, je suis pas juriste ni avocat, mais moi ce que je demanderais par exemple à Laurent Pariente, ce serait d'abord de lire mon livre. Ouais, si c'est pas le cas. Et d'expliquer en quoi mes thèses sont complotistes. Oui. Et si s'il trouve quelque chose à redire à mes travaux, je suis ouvert au débat. Et si, comme je l'ai écrit d'ailleurs sur Facebook, s'il ne se sent pas armé intellectuellement, il peut toujours envoyer certainement des intellectuels juifs qu'il connaît ou des philosophes. Ouais, voilà, des calibres intellectuels pour dire, ouais, voilà, on vient discuter. Ouais. Et puis. Mais bon, la raison profonde pour laquelle j'ai été déprogrammé de cette conférence, ce sont mes travaux, c'est mon livre. Ouais. C'est un livre qui est sorti en septembre 2015. On est en juin 2016. Ouais, bientôt juillet, donc. Je n'ai pas été attaqué, jamais. J'ai jamais attaqué en justice. Ouais. Mon livre n'a fait l'objet d'aucune réfutation. Oui, c'est vrai. C'est un livre qui s'est très bien vendu et qui continue à se vendre très bien. Oui. Par exemple, dans les classements sur Amazon, dans la catégorie Histoire des religions, il est très souvent numéro 1 des ventes. Face à beaucoup de livres. Dans la catégorie sciences religieuses, il est aussi très bien placé. Il est régulièrement devant le dernier livre de Bernard-Henri Lévy, devant ou coude à coude avec le livre de Michel dernier livre de Michel Onfray. Donc c'est un livre qui est lu, sur lequel il y a un silence complet dans les grands médias. Oui. Et donc c'est un livre qui doit foncièrement déranger les sionistes et les juifs sionistes en général. Ils n'ont pas pu m'attaquer jusque-là parce qu'ils n'ont rien trouvé dans mes écrits, dans mon livre. D'ailleurs, la plupart des sources sont des sources juives que tu mets dans ton livre. Oui, le gros de mes sources sont des sources. Ouais, voilà, c'est Gershom Scholem et puis Charnovac. Et puis... Des chercheurs juifs, des historiens juifs, des rabbins, des écrits, le Zohar, l'Ancien Testament. La Bible, oui, voilà. Donc, mes sources sont irréfutables. D'ailleurs, alors là, le public a pu se rendre compte que j'étais ciblé, parce que d'ailleurs j'ai envoyé le mail qui a été envoyé à l'Institut Mandela directement à Alain Soral et Égalité et Réconciliation, qui l'ont immédiatement relié, les premiers à l'avoir relié, puis Mediapresse Info, c'est-à-dire le média de Civitas. Oui. Et
Et donc c'est là que les gens ont appris que j'étais ciblé par le lobby pro-israélien en France. Mais dès que mon livre est sorti, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a des organisations, par exemple une organisation proche du CRIF que je ne nommerai pas, qui s'est intéressée immédiatement à mes travaux, à mon livre. Et j'ai été approché de diverses manières par... soit par des organisations juives, soit par des agents manifestement pro-israéliens. Donc il y a déjà eu plusieurs tentatives depuis la sortie de mon livre, qui ont échoué. C'est pour ça qu'ils sont passés à la vitesse supérieure. Et je pense que c'est pas terminé. Bah, j'espère que on va dire ces organisations communautaires vont se calmer un peu, parce que en fin de compte, on voit que la simple critique, par exemple, je dis bien la simple critique, par exemple, de l'idéologie d'un État, qui est par exemple Israël, le sionisme, c'est taxable entre guillemets d'antisémitisme. Donc on peut se poser la question que c'est quoi ces associations communautaires qui commencent à mitrailler un petit peu tout le monde d'antisémites dès qu'on traite je veux dire de géopolitique, de politique, voire même de religion. Faut dire clairement les choses. Des fois, la religion, il y a des choses avec lesquelles on peut ne pas être d'accord. Et le fait de le dire clairement, on est taxé aussi d'antisémitisme. Je veux dire, c'est juste infondé, quoi. Il y a un lobby pro-israélien qui est puissant en France. Ça tout le monde le sait. Ouais. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'on constate que n'importe quel groupuscule pro-israélien ou qui se dit pro-israélien juif peut faire pression sur une organisation pour annuler une conférence ou autre. Oui. C'est-à-dire que c'est révélateur, quoi. C'est-à-dire que le lobby pro-israélien est devenu tellement puissant en France que n'importe quel juif sioniste peut un matin créer un groupuscule et devenir à lui tout seul un lobby. Parce que lorsqu'il menace, par exemple, l'Institut Mandela, quand il menace, on se pose la question de leur réelle puissance. Oui. Et comme on sait que le lobby pro-israélien en France est puissant, on suggère, on présuppose que tel ou tel groupe est affilié au CRIF ou à une autre organisation pro-israélienne puissante, et que, par conséquent, il peut avoir des moyens de rétorsion. Ouais, mais il n'est pas avéré que ce groupuscule, la Averim, est une existence réelle et une véritable puissance. Il suffit pour lui de passer un coup de fil pour faire annuler une conférence ou déprogrammer un intervenant. Ben, en tout cas, je vais te lire quelque chose qu'on retrouve très très facilement sur le Facebook du collectif Averim. Donc après, est-ce que c'est Laurent Parienté qui l'a mis ou non, ça, je ne sais pas. Hein. Je ne veux pas m'avancer là-dessus. Mais en tout cas, voilà ce que j'ai trouvé sur Internet. Comme je t'ai dit, en trouvant très très facilement. Donc je mettrai l'image. C'est une capture d'image mettant en avant la messagerie Gmail et un mail de l'Institut Mandela envoyé à Tchoumi. Donc Tchoumi, il faut définir qui c'est, hein, est-ce que c'est Laurent ou non, il y a une personne, donc sûrement un représentant de l'Institut Mandela, qui met en avant « Monsieur, suite à des informations fournies, par amitié avec Israël et le peuple juif, le comité scientifique donne une suite favorable à votre demande, référence Indy-6-1307-6-CH, de retirer M. Indy de la liste des intervenants à la conférence du 13 juillet. » Je veux dire, moi quand j'ai vu ça, de deux choses l'une, soit... Comme tu dis, c'est un réseau, donc pareil, ça, je pense que c'est pas un secret pour les gens. Donc soit c'est tellement noyauté, tellement interconnecté qu'ils ont justement la puissance via un seul mail ou un seul SMS pour encore plus être dans l'ombre de justement déprogrammer qui que ce soit par rapport à n'importe quelle institution. Soit c'est un fou, ce qu'on retrouve sur Facebook.
Et donc, du coup, voilà, si jamais il y a ça, bon, il n'y a pas d'argumentaire à faire. Ou du moins, on pourrait se poser la question pourquoi, justement, il y a eu ce, ce screenshot-là et ce fou-là, et pourquoi ça a été inventé de toutes pièces. Mais on voit bien, si c'est vrai, la puissance, comme tu dis, de ce réseau judéo-sioniste, quoi, ici en France. Alors, moi, je n'avais pas vu ce mail-là. Alors, soit... ce Laurent Pariente est un menteur, ce mail est un faux, soit il est vrai et le président de l'Institut Mandela s'est couché. On est bien d'accord, il n'y a pas d'autre solution. C'est pile ou face, on est bien d'accord là-dessus. Et donc, du coup, en fait, ce qu'il a mis en. La personne qui a mis ça en avant. Je crois qu'elle a mis un petit message, le collectif Averim contre l'antisionisme. Ayant eu la connaissance d'une conférence organisée par une mairie d'arrondissement à Paris, le collectif Averim obtient l'annulation de la participation du pseudo-écrivain complotiste et antisioniste Youssef Indy à la conférence organisée par l'Institut Mandela le 13 juillet prochain. Et en tout cas, en cherchant très très facilement, donc on trouve encore une fois que ce collectif Averim se sent pris à Stéphane Blais, le compositeur pianiste, ex-franc-maçon, etc., en le traitant de nazi lyrique, donc ça y va, coucou, hein, pour dire clairement les choses, et demande ouvertement à rejoindre les associations communautaires, comme l'UPJF, donc l'Union des patrons juifs de France, le CRIF, JSS News, etc. Donc là, on retrouve la vérité comme quoi c'est un réseau interconnecté, quoi. Je veux dire, donc la question aussi que je voulais te poser, c'est d'accord, maintenant tu as été déprogrammé, est-ce que maintenant tu ressens plus de pression? C'est-à-dire tu t'imagines quoi? Enfin, tu t'imagines le pire. T'as un bouquin qui va sortir bientôt, un autre bouquin. Ça sera religion islamique, le statut de la femme, etc. Mais aussi, enfin, comme quoi, c'est pas ton premier bouquin, c'est pas un brûlot gratuit, au contraire. Bah, le premier bouquin est un livre scientifique. Scientifique, oui. Il y a 256 pages et 423 notes de bas de page. Exactement, oui. C'est un livre qui est indéniable. Il a été lu par un certain nombre d'universitaires français et autres. Ouais. Il est dans des bibliothèques universitaires en France et dans d'autres pays. Ah d'accord, ça je savais pas. Notamment même la Belgique. Aucun des intellectuels ou historiens qui a eu lieu n'a remis en cause les thèses qui sont développées dans cet ouvrage. C'est un ouvrage qui est sur le plan de l'interprétation historique et même sur la question du sionisme est révolutionnaire. Il n'y a aucun autre livre qui a été écrit mettant en lumière les origines messianiques du sionisme et toute l'histoire de ce sionisme messianique et la manière dont il a accouché ce messianisme sioniste de la stratégie du choc des civilisations. Il y a plusieurs thèses dans l'ouvrage, donc c'est un livre extrêmement sérieux, très 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 érudit, très très pointu. Et comme je l'ai déjà dit, il n'a souffert d'aucune réfutation. De deux choses l'une, soit je suis un complotiste, pseudo-écrivain, pseudo-historien, auquel cas pourquoi faire des pieds et des mains pour me faire déprogrammer, soit ce que je dis est sérieux mais extrêmement dangereux, alors dans ce cas-là il faudrait me réfuter dans des écrits ou lors d'un débat ou plusieurs débats. C'est-à-dire qu'on fait silence sur moi et sur mes travaux et du jour au lendemain on m'attaque pour me faire déprogrammer. J'en avais déjà eu la preuve, qu'ils me suivent depuis la sortie de mon ouvrage. Donc, pour répondre à ta question, je ne ressens pas plus de pression qu'avant, parce que quand j'ai écrit mon livre, je suis pas naïf. Ce que j'ai découvert sur l'origine du sionisme, les manipulations des grands rabbins, si j'ai pu comprendre le mécanisme
historique de ces mouvements-là, ouais. c'est que j'ai pu comprendre aussi que je pourrais avoir des problèmes à la sortie de ce livre. Ouais, ouais. C'est évident. Donc, non, mais il n'y en a pas eu jusqu'à présent. C'est-à-dire maintenant, on commence à faire la stratégie de l'épouvantail. Il y a déjà eu des contacts. Oui. On m'a déjà approché de différentes manières. C'était indirect. Même directement, je peux par exemple dire qu'on m'a plutôt tendu des guet-apens, on m'a invité à de fausses conférences, oui, en dehors du territoire français. Ouais. Voilà, ça c'est juste un exemple parmi d'autres. J'ai été aussi approché par un autre genre d'individu. On m'a invité à sortir de la région, à venir je ne sais où, dans quelle maison, dans d'autres régions. Donc dès que mon livre est sorti, ça a commencé. Donc là, ça surprend les gens parce que c'est un petit tollé. J'ai rendu ça public, mais les gens ne voient pas tout et je ne raconte pas tout. Donc quand j'ai écrit mon livre et quand j'allais sortir, je m'attendais déjà à ce genre d'attaque. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, je ressens pas plus de pression qu'à la sortie de mon livre.